Bonjour tout le monde. Salut. Et nous revoilà pour le deuxième épisode du Souffle de la Mort 7, le début. Donc dans le premier épisode, on avait vaincu une bande de trolls et puis on avait ajouté à notre équipe Sarah. Et on avait fini par ce qu'on fait en ce moment même. C'est-à-dire battre deux rats géants, on dirait presque que c'est scripté, c'est formidable. Magique. C'est comme si on avait tout prévu d'avance, ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est pas grave. Et il a récupéré... Ah, et on récupère des MP à chaque fin de combat. Ah, c'est intelligent. Bien foutu le concept. Donc logiquement il devrait mourir sur ce coup là. Voilà. Alors il fait deux attaques normales dans la face et il crève. Ha. Victoire. Ah ouais, mine de rien le système est quand même vachement bien foutu. Putain, ah mes yeux quoi. Ah ça fait mal. Ouais, avec l'écran noir du combat et le, ah oui, le flashy du truc. Oh mais c'est tellement cliché ça aussi. C'est tellement... C'est tiré de Dragon Quest ça en plus hein. Ouais ouais, ça me rappelle aussi les champignons de Tales of Eternia. C'est pareil, c'est tellement cliché quoi. Grave. Bon bah, on va les cramer hein, je pense qu'ils aiment bien le feu. Allez et si on essaye un bout. Allez. Allez, bout sur celui au milieu. Ok, donc il est paralysé. Ok. Haha, ça fait trop de dégâts, c'est trop bien. Ah, mais Sarah est empoisonnée. Ah non. Non. Volos. Meurs, espèce de fungi de mes deux. Il faut quand même regarder, ce qui se passe quoi, parce que là elle perd de la vie avec le poison. Allez hop, ça va faire l'affaire. Eh ben elle est montée d'un niveau je crois. Ah non. Ah non elle a récupéré. Attends, tu récupères tous tes... Pourquoi elle a récupéré tous ses PV à la fin du... Oh, on peut sauvegarder ici. On peut sauvegarder. On peut sauvegarder en plein milieu. Ah bah là voilà la fameuse grotte. Oh non, des champignons mutants. Oh. On va encore les cramer, non, je crois que je vais essayer d'économiser mes MP avec lui. Avec elle, je sais pas ce que je vais faire. Ah mais si on utilisait justement le pouvoir Unite, Fire and Ice. 15 MP, non c'est un peu cher. Merde, j'ai que c'est gouré de boutons. Bah bon. C'est parti hein. Eh bah allez crever, allez. Ça va vite hein. Ça va vite ouais. Bon, on n'a plus que 7 MP avec... Ah oui, mais à chaque fois qu'on finit, tous les alliés regagnent tous leurs PV. C'est pas mal. Ah oui, là, difficile de choisir. C'est quoi l'autre? L'agilité, ça permet de choisir, ça veut dire qu'elle attaquera en première. Et Will, c'est la défense. Alors 32 magique, vu qu'elle n'est pas très offensive, je pencherais plutôt pour celui-là, moi. Ouais, étant donné que... C'est sûr qu'un bouge de 30 c'est gros, mais... Bon, allez hop. Ah, la fameuse grotte au trésor où personne n'est jamais sorti. Après, je me demande combien de personnes y sont rentrées aussi. Hein. Et alors voilà donc la musique. Avec encore cette musique de caverne qui était déjà dans le premier niveau. Donc, c'est... Oh non, dis-moi pas que s'ils font des labyrinthes en mode vieux RPG, on va en avoir pour un bout de temps, là. Oh, j'ai le pire à craindre. Des chauves-souris! Des chauves-souris! Oh mon dieu! On ne s'y attendait pas du tout! Oh, c'est tellement pas cliché du tout, tellement original! Allez hop. Qu'est-ce que je peux faire? C'est vachement utile de te mettre plus 50 en magie si t'as aucune attaque de magie de tes lignes. Ben on va voir si ça... Putain, ça fait mal quand même, 4 chauves-souris qui attaquent à la suite. Putain, ça bouffe 5 MP là ce truc. Ah bon bah allez hop. Plus qu'ils récupèrent leur point de vie à la fin, on s'en tape un peu en fait. Voilà. Et ben voilà. DVM monte au niveau 7. 30 PV. Ah. Ah. Là par contre j'hésite vraiment. Faut dire 30 PV en plus c'est bien. Ouais mais il a déjà pas mal de PV là non? Ouais mais c'est le temps, je veux dire, là plus 20 en agilité, plus 20 en défense magique. Ah, dur de choisir. Ouais, prends les HP. Bon. Je crois crois que j'ai pris le A. L'aléatoire selon Amaury. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien cette technique. C'est formidable. Cette grotte, j'espère qu'elle est pas aussi immense que je pense parce que sinon... non, ouais, ça a l'air de... Ouais, mais va vers le haut. Ça a l'air d'être la fin là. Ah bah le... Ah, il était pas difficile à trouver le trésor. Vous avez trouvé un anneau puissant. Ok. C'est très précis. Je peux pas l'équiper cet anneau puissant. Ah oui, il y a juste ça. Ah bah, ah bah l'équipement est très avancé hein. Une armure, formidable. Une arme. Au moins on se fait pas chier hein, ah bah la custo des persos. Donc en fait on a un anneau mais on ne sait pas du tout à quoi il sert. Oh, oh non, un troll obscur. Ah ouais, swap color, hein. Swap color. À l'ancienne. On va changer. Alors pour ceux qui arriveraient maintenant, non, le jeu n'est pas nul et mal foutu, c'est juste qu'il est complètement décalé. Hein. En gros, ils prennent des vieux trucs de vieux RPG, et voilà. Ils mélangent tout et ça fait un jeu. Voilà. Non, ne pleurez pas, mon petit, ça vous fait un peu mal aux yeux des fois. Allez, ah mais le Deathblow DMP, attends, j'ai mal lu là. Ah oui, ça fait mal. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? Mais de toute façon, ils vont récupérer tout leur PV à la fin, allez hop. C'est tellement débile en fait. Ouais, il faut juste manager un peu les MP quoi. Faut... Voilà, c'est juste les MP en fait, il faut manager les PV, on s'en fout un peu je pense. Ah, il y a un caillou qui me bloque. Et ben en fait, c'est un mini labyrinthe pas grand du tout. Mais même, j'ai jamais encore eu le RPG où les quêtes du début étaient tellement naze en fait. C'est tellement fait exprès. Allez tiens, va dans une grotte qui fait 2 mm, on va buter des chauves-souris pour aller ouvrir un coffre avec un anneau qui sert trop à rien. On est ressorti sur la carte qui fait mal aux yeux. Ah, mais regarde, c'est quoi, c'est n'importe quoi. Bon là par contre, j'ai franchement envie de sortir l'attaque ultra puissante de la mort qui tue. Ça ira plus vite, ouais. Feu et glace. Ah, bon ça fait 29 de dégâts donc ça les tue pas tous. Alors... Oh, je fais des attaques normales. Ils ont combien de PV qui restent? Ah oui, il y a juste le Lizardman en fait qui reste dans le truc. Donc lui, on va lui balancer ça sur le lézard. Attends, il fait combien de dégâts? Ah mais ça, ceci c'est un truc qui va pas mal. C'est que par exemple, son attaque fait 28 × 2, ce qui fait du 56. Il a, et notre ennemi a exactement 41. Donc c'est assez pour le tuer. Là, ça fait 12, donc c'est assez pour le tuer. Ah ouais, c'est bien fichu comme ça. Il n'y a pas de question de défense ou de truc dans le genre en fait. Sarah monte au niveau 6, yeah. La musique de fin de combat fait vraiment trop marrer. Si vous avez des RPG où il y a des putains de musique épique à la fin, genre quand vous gagnez un combat, genre dans les Final Fantasy, il y a le truc super connu qui revient, qui est génial. Et là vous avez une petite musique gentille quoi, on dirait une musique de pub de téléachat. C'est tellement ça. Bon, on achète entre deux trucs, alors les deux sont très intéressants. Le premier enlève tous les... comment t'appelles ça en français? C'est pas les baisses de stats, c'est tout ce qui est poison, tout ça, enfin j'ai oublié le nom, mais ça enlève sur tous les, voilà, les altérations, les mauvaises sur tous les alliés, alors que ça fait en sorte que tous les sorts de soins enlèvent aussi de... je pense que je pense ça en fait. Ouais, c'est bien, les deux sont bien, mais celui-là, comme c'est passif, ça m'évite de bousiller des MP pour rien. Allez, oh le gros troll. Ouais. Youhou. On peut pas passer par là, c'est super. Et on doit se battre des Zeds. C'est pas des Zeds, c'est des Wompilo. Donc ça vient de Womp. Womp qui, je pense, c'est le truc de Mario normalement. Chomp, non c'est Chomp de Womp, je sais pas ce que c'est. Pilo c'est coussin, donc je sais pas du tout ce que c'est, le nom doit être large, vachement débile quoi. Et en plus c'est vachement moche. C'est un homme arbre quoi. On m'en fout, je les crame. Ah non, j'ai passé d'MP. Eh ben merde hein. Je sais même pas si dans le système de jeu ils prennent en compte que si c'est du feu contre des éléments végétales ça fait plus de dégâts. Ça j'en sais rien. J'ai paralysé celui du milieu parce que voilà. Mais j'ai vraiment pas assez de MP là. On va faire péter du multi-strike sur celui-là. Target self plus 50 en magie, mais là elle a aucune attaque magique, tout ce qu'elle a c'est du soin et t'as pas besoin de soigner 50% de plus si bon, vraiment n'importe quoi. Ah oui c'est vrai, ah il faut, ouh ça fait mal, grave, ouh ça fait mal là, il va falloir utiliser de l'huile là. Là, il va falloir utiliser de l'huile. J'ai plus de MP du tout. Oh, ça fait que dalle comme dégâts. Heureusement qu'elle soigne en premier. Hein. Je crois qu'elle attaque toujours en premier. Ça va nous arranger. Pouvoir heal exactement. L'un à l'autre, voilà, exactement. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin de heal parce qu'il va crever lui. Donc, parfait. Ah, j'aurais dû d'abord attaquer ça, celui avec ça. Oh, ça fait mal. De toute façon, ils récupèrent toute leur vie à la fin. Oh, ils crèvent. Allez. C'est le système de combat le plus bateau qui se met à inventer, tu sais. Genre, t'es en train de trop stresser dans les premiers combats et tout, et en fait, tu regagnes toute ta vie à la fin du combat, tu sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'était armure au début, le Pokémon, mais non. C'est... c'est moche. Oh bah allez, spam. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien la technique du spam. Allez, meurs. Allez, j'ai jamais vu un... Ah, ce jeu est une parodie entière à lui seul. C'est tellement bon. Allez. Par contre, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Là, faut retourner au village. Moi, je retourne au village, parce qu'on a le trésor, machin, truc. Parce qu'après, on va encore partir. Il y a aussi, le type qui avait parlé de l'autre village à gauche. Ah là, par contre, ils sont un peu énervants, ceux, les deux. Alors, on va d'abord, on va balancer du multistrack sur lui, dans lequel il s'occupe de la grenouille morte. Voilà. Allez, vas-y. Il fait combien de dégâts? 38? Bah, il crève. Voilà. Très bien géré comme ça. 28 x 2. Yeah. Il sort et monte la base. Plus 40 en force, mais ça sert à quoi? Plus 20 en magie. Ouais, comme ça tu peux faire plus de hits quoi. Oui c'est vrai, 40 c'est plutôt fort, mais ça c'est plutôt pratique non? Plus 20 en agilité. Bah je dis IB moi. Voilà. Et vivement qu'elle apprenne un sort offensif, parce que là elle commence sérieusement à taper sur les nerfs. Tapette, tapette. Bienvenue à Palade. Il est encore là, c'est bien. Carrément. Il reste toute la journée les yeux fixes, tu vois. Peut-être que tous les hommes sont des squelettes et toutes les femmes des fantômes. C'est ultra sexiste, mais c'est tellement cliché. Ouais, ce serait pas cool. Alors, c'est qui avait dit qu'il y avait un trésor? C'était elle, là. Le zombie, là. Bah non, puisque elle, c'est une fille. Je peux pas ouvrir la porte maintenant que j'ai le... Non. Vu qu'il y a 3 trucs... Donc ça veut dire que les zombies sont allés armes. Ah, mais peut-être qu'il aurait fallu que je lui parle. Il répète la même chose. Il répète la même chose, c'est tellement cliché, quoi. Ah bon, ok. On va pas aller bien loin. Eh ben dans ce cas-là, je sens qu'on va tenter d'aller au fameux village vers la droite. Hein. Ouais, je sais pas. Fais peut-être un saut à l'auberge si c'est grave. Ouais, bah attends, on doit avoir de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter? Ça pour notre ami DVM. Est-ce qu'on a, quoi pour l'instant comme IP? Ah mais en fait, c'est vachement dans le style de Dragon Quest. Hein. C'est l'équipement, c'est un équipement pour une personne. C'est pas un équipement pour une classe. T'as pas de classe précise. Ok, on va prendre ça, on va prendre une arme chacun, on va vendre les épées qu'ils ont. Ah mais non, d'abord faut s'en équiper je suppose. C'est ça qu'on avait exactement les mêmes. Ah oui, parfait. Sword, Iron Sword. C'est tellement cliché. Mystique Taf. J'aime quand les jeux sont recherchés comme ça. Ah mince. Alors, armure, Iron Tree, Mirror Shield, vitesse plus 40, ah non c'est la vitalité. Ça... Ah mais les deux peuvent être utilisés par DVM. Bon bah on va prendre le plus cher, ah. Ouais bah, large celui-là, de loin. Allez. Excusez-nous, hein, c'est le petit passage voilà, exactement. Où on optimise les personnages, même si on dirait que ça sert à rien dans ce jeu. Mais... Ah mais c'est elle qui peut équiper les... Oula ah, oh, ah oui, c'est pas un petit anneau de mes deux hein. Oh bah, d'accord. Ah oui, quand même, oui. On va te vendre tout ce qu'on a. Celle. L'agneau petit, agneau mignon, voilà. Ensuite on va dormir pour aller récupérer CMT gratuitement parce que c'est mon ami. Merci. Et ben... sait qu'on le voit pas dormir, en fait il paye, enfin... Ouais normalement... Il reste devant le comptoir et... C'est exactement ça. Et ben, mec en fait il dort appuyé sur le comptoir de l'auberge, s'il rentre dedans... Bon, et ben on va partir vers l'est en traversant les cimetières des âmes perdues. Parce que... putain, ça m'énerve. Ça c'est typique des vieux RPG, tous les 2 secondes il y a un putain de combat. Heureusement qu'ils ont mis ce système qui fait que plus tu fais de combat dans la même zone, moins t'en as, parce que sinon ça commencerait vraiment à me taper sur les nerfs. Attends, putain, ça fait vraiment du... Ah oui, maintenant elle fait 28 par dégâts. Eh ben elle sert enfin à quelque chose la gamine. Cool. DVM au niveau 8. Ah, il apprend des... Oh, Red of Fire. Non. Ça fait 15 MP quand même. Alors celui-là, c'est tous les ennemis moins 50 en vitesse, ce qui fait qu'on attaquera toujours en premier logiquement, ce qui est pas trop mal. Et alors ça, Rain of Fire qui ignore la défense mais qui fait 21 de dégâts à chaque tour sur tous les ennemis, c'est dégueulasse. C'est magique. Et ben bah là c'est difficile de choisir. Soit on se la joue stratégique, soit on se la joue gros bourrin. Oh gros bourrin, ça sera utile contre les gros boss. Là je suppose qu'il faut passer par en haut. Oui oui, je suis en train de regarder. Il y a tout ce qui est montagne dégueu. C'est quoi cette armée là? C'est n'importe quoi. Le combat épique des champignons à des pleurs. Alors on va tenter. Combien ils ont de vie? 30. Bon bah on va se focaliser sur eux. On va caler les QE. Voilà. Les petites fleurs carnivores là, c'est des pièges à mouches. C'est des pièges à mouches, exactement. Ça se finit vite ces combats quand même. Avouez, vous vous ennuyez pas trop. Ah oh, mais c'est qu'il y a une grosse... Ah c'est comme dans Pokémon quand tu joues normalement, tu... Au bout d'un moment tu te fais plus chier, c'est un Pokémon qui est bien puissant, tu spammes la tête. Un cimetière, je me demande si... des pierres tombales et quelque chose d'intéressant écrit sur elle. Moi aussi je me demande. Les monstres ici sont plus dangereux que ceux qui sont près de Paladlenus. Reste près de moi. Ah, qu'est-ce que c'est romantique, mon chevalier blanc en armure brillante. Vous remarquerez que le squelette ne parle jamais, c'est entre parenthèses, ça veut dire qu'il pense, mais comme l'autre peut lire dans les pensées. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon je vois pas trop comment il pourrait faire. Est-ce que toutes les femmes sont comme ça? Donc elle vient de nous sortir directement l'indice qu'on devait chercher nous-mêmes, c'est-à-dire chercher un indice sur une tombe. Donc on va devoir taper toutes les tombes une par une. Les pierres tombales promotionnelles offertes par la cimetière fondation, tout droit réservé. La même. C'est tellement cliché, c'est tellement... Ils ressortent tous les clichés des RPG à mettre. Le truc où tu lis les pierres tombales, et c'est pareil sur tout, sauf sur une, où t'as l'indice ultra important qui te permettra de finir le jeu. Heureusement que le jeu va vite, hein, parce que si c'était un... Bon bah qui sait, peut-être que c'était ça l'indice ultra important. Un fantôme! Un fantôme! Je ne m'attendais pas à rencontrer un fantôme ici! Mais attends, si c'est un fantôme, normalement c'est un mort-vivant comme nous! Alors qu'est-ce qu'il est? C'est quoi? C'est un de nos potes normalement! C'est le phare de Sarah! C'est le phare de... Ouais, je fais 46 dégâts en une attaque! Allez! Bim! Bim dans ta page! Les monstres sont plus durs ici, tu te fous de moi! Et ça c'est pas une pierre tombale! On va regarder en haut... La musique est agréable au passage. Ouais. Les corbeaux, ok. Ils ont combien de PV? Eh ben j'ai assez pour en péter un avec lui. Et ben on va faire comme ça. Les corbeaux qui portent des pierres tombales. Ah oui, non mais on cherche plus à comprendre quoi que ce soit ici. Hein. Allez hop là. Ah, encore des pierres tombales. Encore des pierres tombales. Lots of... Plein de messages à la con. Le propriétaire de cette tombe doit être en vacances. Ah mais oui! Mais j'avais pas pensé, mais comme ils sont tous morts vivants, bah ils sont tous sortis des tombes. C'est trop débile. Pareil. Alors ce que j'aime bien par contre avec la tête de DEM, c'est qu'il a franchement un visage qui... Ça peut être n'importe quelle expression en fait. Laisse-moi deviner, c'est des trucs unisens. Ah non. Bon bah, c'est reparti. Vous cherchez sur la pierre tombale des noms de quelqu'un que vous connaissez, mais vous ne trouvez rien. Idem. Pareil. ce genre de quête chiante dans les RPG. C'est tellement chiant. Là, c'est poussé à son paroxysme et du coup, ça devient marrant. Putain, mais c'est pas possible. En plus, comment ils font des étages dans un cimetière ? En fait, t'as rien d'écrit, c'est juste un vieux troll. C'est exactement ça. Allez. Non, je parie qu'il y aura une seule pierre tombale toute seule au milieu d'un truc de malade à la fin, tu vois. Truc dans le genre, trop kiffé. Putain, mais. Putain, mais ils font vraiment. En plus, je crois qu'il y avait encore un truc. Pour un moment fun, appelez 555 tombe. Ouais. Pourquoi pas. Allez là. En fait, je pense que ça sert à rien de toutes les regarder à chaque fois. Ça sent le lion perrache en fait. Zombie. Ok. Mais c'est des potes. C'est des potes quoi. Pourquoi on les pète? Lui il crève en un coup. Et lui. Ah il a pas mal de PV de zombie. Bon bah de toute façon il est mort. Ça arrive quand même joli pour un fantôme hein. Les combats se finissent à une telle vitesse. Je crois qu'on aurait dû mettre en difficile. Peut-être. Peut-être, peut-être. Mais au moins j'ai peur que ce soit trop cheaté et enfin. Ouais. Alors il y a un jeu de mots, en gros grave ça veut dire tombe et ça veut dire grave aussi. Ça veut dire grave aussi. Et donc là c'est vous sentez que vous êtes en grave danger. Voilà. Donc, ça se traduit pas mais voilà. Pareil partout. Ah bah on peut tu peux regarder sur les côtés aussi, truc très logique, tu peux venir une tombe par derrière. Ils avaient réglé venir par derrière. Ils avaient réglé ça dans les Zelda mais dans les tout premiers Zelda tu pouvais lire tout n'importe comment. Mais c'est des potes à moi. Ils ont combien de PV? 60. Allez. Oui, Sarah monte au niveau 8. Alors, fuite. Ok. Ok, ah ok. Donc soit une qui a 60% de chance de réussir mais qui coûte que 10 MP, soit une qui marche à tous les coups mais qui bouffe 30 MP. C'est vraiment un sort de tapette quoi. 60% c'est assez élevé quand même hein. Ouais, surtout que la plupart du temps quand t'essayes de fuir c'est que t'as déjà bousillé tout ce que t'avais hein. Donc vaut mieux prendre celle à 10 MP. Putain mais c'est un vrai labyrinthe, je sais pas combien de temps. Putain y'a des arbres morts partout, c'est n'importe quoi. En plus on a même pas de... Ah bah un coffre 150 d'or. Merci. Bon, on pourra toujours acheter un truc avec. Et elle dit quelque chose si on parle? Non. Okay. Un chocolat au lait. Exactement. 46 en un coup, il a 75 PV. 34 x 2 ça fait 68, il est pas mort. 24 x 3 ça fait 3 x 6, 60, 63 x 4, 12, 72, il est là. 75 mais c'est pas possible. Bon bah 2 multi-strikes ou 2 attaques à 46 ça suffit. Bon bah, on va faire ça comme ça. Non, je suis gouré. Là, toi tu attaques lui et toi tu attaques lui. Voilà. Ah, je me suis lui recours visiblement. Non, voilà, parfait. Parfait. Stratégie. Elle est mignonne la musique, hein. Ouais. Tu vois, c'est ces musiques de trucs où normalement il se passe rien dans les RPG. Voilà. En fait, là il y a plein de combats. C'est ça, c'est trop inutile. 46 sur les 40. Par contre, je comprends pas, ils avaient dit à force qu'on combatte dans une zone, il y avait moins d'ennemis. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus. Ouais, carrément. Ça sent la grosse arnaque. Ça fait pas exactement les dégâts. Parce que là, j'ai fait du. Je suis censé faire du 46 et le tuer en un coup, ça n'a pas réussi. Heureusement, les combats se font vachement vite. Tant mieux pour la vidéo, j'ai envie de dire. Hein. Parce que là, en respectant le format, on est déjà presque aussi à la fin de la vidéo. Ah, vous pouvez pas déchiffrer les mots sur la tombe. Pareil. Mais ta gueule, crève! Mais tu m'énerves! Ah, DVM, ça faisait longtemps. Multistrike, mais on l'a déjà eu ça. Oula! Ah oui, soit on monte... Ah ok, c'est évolution de multi-strike, donc soit un sac MP comme avant, fait 75 x 2 soit 150, soit 50 x 3 soit 150, ah c'est ouais, bon, en fait c'est exactement ouais, non mais autant prendre le premier, c'est pour monter la jauge de combo plus rapidement celui-là, mais à 3 MP de différence autant prendre celui-là je pense. Ouais. Bon allez hop, mais 75 x 2 là ça commence à faire du bien là. Ok. c'est vraiment immense. Tout ça pour un truc tout pourri à la fin, j'en suis sûr. C'est obligé. Pour un escalier qui descend. Ah bah voilà. On est revenu au début. Marc et Sally pour toujours. C'est écrit sur toutes les tombes. C'est genre le couple d'amoureux trop vandales qui tague toutes les tombes. Je sais pas si c'est ça ou si c'est juste en fait le gros, la grosse parodie de RPG où tu sais à chaque fois on a toujours la même chose répétée. Alors cette fois bah, ils mettent un truc et ils le répètent. Ouais. Parce que moi je pensais que c'était écrit sur la tombe, mais pas un tag, mais genre les types qui sont enterrés. C'est trop nul. Ils sont enterrés à plein d'endroits différents. Voilà, exactement. Ils sont enterrés en morceaux en fait. C'est un trou ça? Ouais, je suppose que c'est un trou. Oui, je peux pas passer. Ah, c'est pour ça, on pouvait pas passer, on était censé faire tout le tour. Le truc tellement cliché, encore une fois de plus, hein, qui consiste à te faire passer par un détour de 300 km parce qu'il y a un trou d'1 millimètre qui t'empêche de passer. Je veux dire, ils auraient pu sauter quoi, c'est pas des... Ah, elle m'intéresse beaucoup cette pierre tombale. Notre cher grand-père, un jour, il a cogné sa tête et s'est réveillé mort et n'a pas pu se lever le matin. C'est n'importe quoi. Sauf que voilà, ça c'est ce qui me fait marrer, c'est que c'est répété partout. Voilà, en gros ils font du copier-coller. C'est n'importe quoi. En fait, je pense que c'est vraiment répété à chaque fois, donc il n'y a pas besoin de vraiment regarder. Et c'est tellement parodié à l'extrême pur et dur, quoi. Allez, mourrez, là, vous m'énervez. T'as heureusement que ça habite. Ah, mais j'avais oublié. J'avais oublié qu'il y avait ça. Ah, beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas? C'est ça. Tout le monde meurt un jour. Ok. Je crois que j'ai pas toutes les regardées, hein. Regardez cette dernière. Une tombe d'entre toutes les tombes. Heureusement que ça va assez vite, le clavier est très réactif et tant mieux. 50 en un coup, 75 en deux coups, ça me permet de tuer le zombie direct. J'adore, c'est qu'au bout de quelques level up, les combats deviennent plus du tout stratégiques, mais alors... oula. Blessing. Ah, ça c'est du bon, ça. Soit plus 50 sur elle, soit plus 25%, mais c'est un sort. C'est surtout c'est ça qui est bon. 25% c'est quand même beau. Ouais, c'est pas mal. Mais après, faut voir si on prendra le temps de l'utiliser ou pas. Ouais. Parce que là, ça lui permet de soigner en premier à tous les coups aussi. Et aussi. Putain, cette musique m'énerve. Et pour votre aspirateur BV civil, appelez le 0635. Bon, on va bientôt être à la fin de la vidéo, mais faut dire qu'on choisisse quelque chose. Qu'est-ce qu'on prend? J'arrive vraiment pas à choisir. Ah bah bon, est-ce que t'en préfères entre les deux? Bon, je sais pas, choix aléatoire. Ouais, exactement. Je crois que j'ai pris le B, pas sûr. On verra, on regardera s'il y a un nouveau pouvoir. Comment on va là? Je sais pas si c'est par là. Ah mais... Non, c'est pas possible. 50, allez, crève toi. Alors si, on a pris le blessing visiblement, ouais. Bon, on le saura pour la prochaine fois. Non. Toi tu attaques lui, toi tu attaques lui. Voilà. C'est ce qui s'appelle du combat rapide, hein. Ouais, parce que prendre ce qu'il y a dans le coffre et puis... Ça va être bientôt la fin de cet épisode, on n'aura toujours pas sorti du cimetière des âmes perdues. Non mais sérieusement là, j'aimerais bien le trouver là, ce coffre, non pas ce coffre, cette pierre tombe à la con. Là, je réfléchis même plus à ce que je fais là, vous avez vu, je spam comme un porc parce que ça m'énerve. Voilà. Ah, mais là... Les trucs comme sur les... Comme sur les émulateurs de Game Boy, pour pouvoir le mettre en turbo. Et là, je mets en turbo en fait avec ma, juste que j'ai complètement oublié. Vous cognez à la tombe, personne ne répond. En même temps. Bah, en même temps, oui, voilà, mais bon. Enfin, vous êtes un peu un mort vivant aussi. Hein. Bon. Oh, des squelettes! Mais pourquoi il se bat contre des squelettes? C'est un squelette. C'est débile, mais on va pas chercher à comprendre quoi que ce soit. Hein. Heureusement que ça va vite. Parfait, on va pouvoir vous quitter ici. Pour une très bonne raison, c'est qu'il y a un truc pour soigner et sauver. Paf. Eh ben on vous laisse donc ici. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine pour de nouvelles aventures chez les morts vivants. Donc au revoir. Salut.